On en parle avec Richard Prasquier, président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives. Merci d'être en direct avec nous. Une mise en congé, c'est-à-dire qu'il démissionne ? C'est une mise en congé. Moi, je ne fais pas partie du Conseil du Consistoire, donc je l'ai appris à peu près, je suppose, à peu près en même temps que vous. Je savais que c'était une hypothèse. Je dois dire que je trouve que c'est une solution très, très raisonnable, la seule solution probablement qui soit raisonnable à l'heure actuelle. Il faut tenir compte du fait que Gilbert Naïm est un homme qui a une longue carrière et longue et très très honorable et brillante carrière de rabbin, une série très longue d'interventions, de conférences. Sa parole est une parole forte qui a été admirée. Et puis il y a un certain nombre de faiblesses graves d'ailleurs. Richard Prasquier, vous l'avez soutenu, Gilbert Naïm, dans un premier temps, mais vous lui avez également demandé des explications. Bien sûr, je lui ai demandé des explications complètes, des explications claires et complètes. C'est évident qu'on ne peut pas, s'agissant des grands rabbins de France, avoir les mêmes critères de laïcisme que l'on pourrait avoir éventuellement sur d'autres personnalités ou sur d'autres personnes qui se laissent aller à ce jeu très très extrêmement néfaste à Gia. Mais au-delà de cela, je le répète, il y a l'homme tel que nous connaissons, depuis longtemps, et cet homme est un homme de très grande qualité, et chaque homme a des moments de faiblesse. Il en a pris les conséquences, il se retire, il se met en congé. Je crois que c'est la meilleure solution et elle permettra peut-être d'apaiser. Richard Prasquier, d'un mot, ce nouveau mensonge qui intervient dans un contexte particulier, comment la communauté le vit-elle ? Attendez, j'ai mal entendu ce que vous m'avez demandé. Comment la communauté vit ce mensonge ? Quelles sont les réactions qui vous parviennent ? Il est bien évident que beaucoup de gens sont bouleversés, beaucoup de gens sont déçus, et ceux qui le connaissent sont, beaucoup d'entre eux, bouleversés. Je ne le cacherai pas. Ils sont bouleversés, mais ils pensent aussi, et ceux qui le connaissent, à la souffrance, l'état d'état roi dans lequel il a pu se trouver, dans lequel je souhaite très 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 fortement qu'on l'aide dans cette route difficile et absolument nécessaire qui va être la sienne de réflexion et de reconstruction de soi-même, et nous serons là